même si les produits plastiques sur place. Chambre de commerce et d'industrie argéro-allemande, représentant avec l'objectif ambitieux de réduire progressivement de la consommation. Passant de 304. Plus important que jamais. Maisons, comme vous pouvez vous imaginer en 2020-2022, au et encore plus des chiffres sur le marché algérien professionnel de valeur. دونك صالون حيكون في alors من 4 الى 6 مارس بقصر المعارض سنور البحري سافيكس دونك هذا العام عندنا لا بلو غراند كرواسونس في لو صالون حيكون اكبر صالون تاع البلاستيك و البرينت باك ننتظر اكثر من 260 عارض جاونا من 21 بلد donc le salon حيكون في قلت في البافيون A ou البافيون C. Le pavillon A حيكون مخصص لكل ما la plasturgie et machinerie. Alors au tannic le print pack ou في le pavillon C حيكون tout ce qui concerne la matière première et les auxiliaires. En même temps, alors avec le salon, حيكون عندنا des conférences qui vont se tenir dans le pavillon C. Cette année, le salon est le plus grand qu'on a jamais organisé en Algérie. On a commencé avec PrintPack en 2008, avec Plast Alger en 2010. Et depuis 2010, on a Plast et PrintPack à côté. Jusqu'à maintenant, le plus grand, c'était en 2018. Et cette année va dépasser celle de 2018. Et à notre avis, ça montre vraiment l'importance du marché algérien pour les fournisseurs au niveau mondial des machines et de la matière première dans la plasturgie. Et on est très content d'avoir une très forte participation algérienne aussi. Donc on a des exposants de 21 pays. Le plus important côté exposant, c'est la Chine. Et déjà, seconde, c'est l'Algérie. Donc on a beaucoup des entreprises algériennes qui montrent leurs produits, leur savoir-faire. C'était un grand plaisir d'être ici en Alger pour présenter le Salon Drupa, le Salon mondial de l'imprimerie. Et certainement, après 8 ans, c'est important de venir à Düsseldorf pour comprendre le développement du salon et de l'industrie. Alors, Drupa va être vraiment le point culminant pour la communauté mondiale. Et je vous invite de vraiment faire partir et de visiter le salon avec l'aide de notre représentant ici en Algérie, la Chambre commerciale. Et bon, on se verra, j'espère, bientôt dans 4 mois à Düsseldorf.